Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo de Trackmania Editor. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo de Trackmania Editor, hein. Il fallait bien que j'en sorte une nouvelle. Donc cette fois-ci c'est sur les montagnes russes, enfin c'est circuit montagne russe 2, voilà. C'est la version 2 des montagnes russes. Donc en un peu plus élaboré, même si c'est pas un circuit encore très transcendant, hein. C'est un circuit moyen quand même que j'ai fait. J'avais pas trop d'idées. Celui d'après sera bien mieux, hein, vous verrez. Et donc là, on se retrouve sur la version PC. Trackmania United Forever, hein, donc la version payante. Je trouve que l'éditeur de circuit est bien plus complémentaire que... bien plus complet, voilà, qu'est-ce que je raconte. Bien plus complet que la version Wii. Et en plus, ça freeze pas, donc c'est bien. Parce que sur Wii, ça freezait au bout de... Alors, vous avez mis 3 arbres, ça freeze. Voilà. Il n'y a plus assez de mémoire pour la console. Ça faisait ça au bout du 9e circuit, voilà. Même du 8e, je crois. Et 8e, ça commençait déjà un peu. Ouais, parce que j'ai tout de même fait quand même 9 vidéos de Trackman Editor. Donc là, c'est la 10e, je crois, oui. 8 ou 9, donc ça commence à faire un peu. Je m'attendais pas à faire autant de vidéos sur Trackmania. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense pas que je vais en faire énormément des vidéos de Trackmania encore à l'avenir. Je sais pas, j'ai un peu moins envie de faire de laisser place à mon imagination débordante de créativité pour les circuits. Ouais. J'ai plus trop d'idées. Peut-être pour faire avec le stadium, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire sur les circuits stadium. D'ailleurs, dans le prochain circuit, c'est j'ai repris un peu une partie du circuit de. Enfin, c'est pas une partie de circuit, j'ai juste. Je me suis un peu inspiré du circuit rouge, enfin de difficulté rouge pour le stadium sur Trackmania Forever, la version gratuite. Là, je remets en route de mon côté ma vidéo, mais vous l'aurez 3 fois la vidéo parce que bon, sinon j'aurais pas le temps de commenter beaucoup de choses. Je trouvais ça un peu naze de faire des vidéos de 2, 3, 4 minutes pour les Trackmania Editor. Vaut mieux faire un peu plus long, on va faire comme les Mario Kart, voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de Mario Kart aussi, je pense qu'il y aurait... Là, par contre, je suis motivé pour les Mario Kart, hein, pour montrer mes exploits, mes super chronos, hein, mes super time trial. Parce que bon... J'en ai fait pas mal, hein. J'avais dit, je crois, il y a bien longtemps de cela, je l'avais dit, j'avais dit que j'avais fait à peu près, oui, 23 circuits, je crois. Voilà. C'est plus de la moitié, du jeu, quoi. En comptant pas les... En ne comptant pas les DLC. Voilà, là je suis en mode concentration. Enfin, voilà, vous avez vu comment j'ai fait le circuit. Après, j'ai pas fait une run parfaite. Hein. Je me suis fail une fois. Mais j'avais la flemme de le refaire. Hein. C'est ma meilleure run. Je pouvais battre facilement sur corps. Même si je pense pas que je vais le mettre en ligne, ce circuit. Et puis c'est tellement mal foutu, je trouve, les circuits à télécharger en ligne. J'ai rien compris comment ça marchait. Sinon, ouais, pour Mario Maker, Super Mario Maker de la mort qui joue. Bon, faut qu'ils arrêtent un peu avec les Super, avec les Mario. Enfin voilà, Mario Maker sur Wii U, moi je pense que je vais faire pas mal de vidéos là-dessus. En tout cas, de gens de la communauté de Hooper.fr, ils ont fait vraiment des bons niveaux et ça serait intéressant de les faire ensemble.
si ça vous intéresse. Et puis aussi, j'ai créé pour l'instant deux circuits. On n'est pas dans Trackmania. J'ai créé pour l'instant deux niveaux de Mario Maker. Un qui est assez spécial où on n'utilise que le saut tourbillon. Et un autre repris de Donkey Kong Country en fait. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est des circuits plutôt sympas. Circuits, mais j'en ai marre. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Enfin. Ce sont des niveaux assez sympathiques. Donc voilà, bah. Trackmania, c'est un jeu quand même assez addictif, hein. Quand on fait pas mal de circuits faits par les développeurs. Bon, après, c'est normal, les circuits niveau blanc, c'est normal que ce soit un peu de la merde. Vert, c'est aussi un peu pourri, c'est à partir de bleu que ça commence un peu à se corser. Et les circuits rouges, après, c'est vraiment ceux qui ont le plus d'idées, moi, je trouve. Les circuits noirs, c'est le plus double VTF, faut le dire. De toute façon, je vous montrerai. Dans le vidéo test, un jour qui arrivera, le Trackmania United, un jour, mais je suis pas pressé. Je préfère faire un vidéo test de Far Cry 4. Hein. Mais bon. Non, je suis très motivé pour faire un vidéo test très construit, très bien foutu, à la Donkey Kong Country Tropical Freeze, sur Rayman Legend. Oui, puisque c'est son rival, hein, Rayman Legend et Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est deux jeux de plateforme là d'exception qui se battent en duel. J'ai envie de faire un peu pareil là, de faire une vidéo assez préparée pour Rayman Legend. Voilà. Parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu. Voilà, ça va un peu en live hein, cette vidéo. Je raconte un peu tout et n'importe quoi. Parce que bon, j'ai plus grand chose à dire sur ce circuit. Qui est très ingénieux, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, il est sympa à faire comme ça, mais il est un peu long, peut-être. Il est un peu redondant. Dans ton père, il n'y a pas assez de checkpoint. Ouais, j'ai fait mon gros enfoiré. Bon, et puis, je vais un peu vous parler de la bande-son qui me saoule un peu, de Trackmania. Je pourrais faire un peu les thèmes qu'on a sur Wii, mais bon. C'est comme ça. Bon, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour le prochain Trackmania Editor qui lui sera un circuit d'exception.